Ah, et puis en plus, vu que la flamme elle est petite, je peux pas m'étendre de ouf. Donc c'est pour la monter, il faut pas... J'ai pas envie d'aller chercher des merdes là, fait chier, c'est relou ça. Hey, Creative Mode là! Putain, il y a un Creative Mode sur Son of the Forest, mais ça doit être exactement la même chose que quand t'es avec la console, putain. J'ai pas envie d'aller sur le jeu. D'ailleurs, la mise à jour, elle s'est installée toute seule parce qu'ils en ont sorti une autre. Oh, mais ça fait un trou chelou là. Ou alors c'est lui qui est pas à la même hauteur. Il serait plus fin le rond là. Ah putain, c'est stylé ça. C'est dommage qu'on peut pas mettre des... Y a des baignoires, mais elles sont elles sont pas rondes là. Et une baignoire, mais elle est pas ronde. Oh, tu te fais un petit jacuzzi là. Du coup, le problème pour faire un arrondi, c'est que c'est chaotique. Problème pour un arrondi, c'est que c'est chaotique. Ouais, puis je suis limité là. Non, t'as décalé, tu fais chier. Donc là, tu décales d'un cran, ça, ce que j'ai fait en dessous. Putain, arrête de bouger. Oh, ouais. Pourquoi il y a un trou comme ça là? Je comprends pas. Il est bizarre ce truc là. Fais voir ce que tu fais en fait. T'es pas rond. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, il y a un côté qui est... qui peut faire des arrondis, mais il y a un côté qui est merdique. Attends, je comprends rien à ce bloc. Je comprends rien à ce bloc là. Oh putain, il a pas le... Ouais, quand tu le tournes, il a pas du tout le même truc, quoi. Putain, faire des arrondis, c'est la misère. C'est le seul bloc arrondi du jeu, en fait. On va faire des arrondis avec un bloc qui est pas totalement rond. Et surtout qui est petit. Donc faire un grand rond, c'est très compliqué. On peut faire une crevasse, comme ça. Ah non, mais c'est pas rond ça. C'est pas rond. C'est tout au front en fait. C'est tout au front ton truc. Tant pis. Tant pis pour les arrondis. Attends, ça fait chier ça. Parce que j'ai fait des poteaux ronds dans ma première base. Mais du coup, ouais. Pour faire un poteau, ça va, mais quand tu commences à vouloir faire un mur avec, ça marche plus. Putain, mais j'avais pas envie de jouer cet après-midi. J'étais sur le jeu, mais j'avais pas envie de jouer, quoi. Y aller. Bah mais ça alors. Tu fais chier.
Tu fais chier, je. Bah tant pis, on va s'arrêter ici. Le problème, c'est que je suis limité dans dans l'espace du truc. Qu'il faudrait que je referme une flamme en entière pour pouvoir faire un truc. Et en vrai, ça sert à rien que j'agrandisse la première base, elle est déjà beaucoup trop grande et j'ai pas assez de trucs à mettre dedans. Bon, ça va rester comme ça. Hein. Ah, il est bien ce jeu, regarde. Hop. Tiens, d'ailleurs. Pendant que je fais ça, je vais montrer un truc, c'est plutôt comique. En fait, dans le jeu, je crois que si tu fais une maison normale avec des murs en pierre, avec une toiture et tout, tu peux avoir une maison qui chauffe. Mais moi, je me suis mis dans la montagne. J'ai pas de murs normaux, en fait. Du coup, j'ai pas de chaleur. Du coup, je peux pas me reposer si j'ai pas de chaleur. Pas pratique, hein. J'ai trouvé une technique plutôt cool. Attends, on peut mettre plein de cheminées, tu vois. Le problème, c'est que les cheminées, bah, c'est un peu relou parce que les cheminées, c'est un peu trop visible. Hein. D'accord. Et du coup, bah là, tu vois, j'ai de la chaleur. C'est bien, hein. Ici, j'ai de la chaleur. Enfin, toute cette pièce, il y a de la chaleur. Parce qu'en fait, dans cette pièce, j'avais tous les trucs pour crafter et j'étais bien. Et après, j'ai décidé de tout bouger l'autre côté. Sauf que l'autre côté, bah, j'ai pas de chaleur, en fait. Il y en a encore un peu parce qu'il doit y en avoir qui traînent un peu. Voilà. À partir de là, il n'y en a plus. Et du coup, bah, pour obtenir de la chaleur, je trouvais une strat qui fait que j'en ai marre de voir les cheminées partout. Et l'objectif, c'est tu prends ton marteau. Alors, sauf que t'as pas de chaleur ici, t'as pas de chaleur. On va régler le problème. Voilà. Hop. On fait un trou. Hop. On prend la cheminée, on la met. Il me faut des pierres parce qu'ici c'est en pierre et pas en calcaire. Voilà. Hop, des pierres. T'as pris quoi comme bloc? Mais ah, c'est le calcaire, ça. Ah, ok, donc le calcaire est bien différent de la roche. Il est pas plat. Clairement, ça se voit là. Hein, voilà. Du coup, bah tu peux faire ça, tu peux ramasser. Hein. Tu peux pas t'en servir. Mais au moins, ça chauffe. Et t'as pas un putain de foyer dans les pieds. Voilà. Du coup, bah, là, il n'y a pas de chaleur. Hop. Petit trou. Hop. Voilà. Ça, il y a la chaleur. Ok, donc le calcaire, c'est pas droit. J'ai voulu faire une maison dans un endroit où c'est pas droit. Ou alors j'ai mis ça sans faire exprès. Ah, c'est pas droit! Regarde ça, putain! Oh, je suis déçu. Ça risque de me faire une maison très moche, ça. Ah, mais le projet c'était de faire une maison et tout, ce soir, si c'est de la merde, c'est chiant en fait. Faire une maison de merde, ça m'intéresse pas. C'est pour ça qu'il y a ce trou de merde que j'arrive pas à boucher. Ou alors faudrait.
Non, non, ça, ça change rien. Oh non, ce bloc il est presque plat. Il a l'air de tourner en plus. Genre, t'arrives à faire la rotation d'un carré, toi. Ça sert à quoi de faire la rotation d'un carré, tu peux me le dire? Ok, bah je suis déçu. Je suis déçu, putain. J'ai une maison toute tordue avec des murs tordus parce que le calcaire c'est tordu. Oh non, mais c'est dégueulasse. Non, je peux pas. Je peux pas. C'est trop sale. Putain, fais chier. Du coup, je suis condamné à faire une maison dans la roche. Dans le grès. Ah, mais des murs en grès, c'est moche. Ils sont marron chiasse, là. Putain, franchement, il y aurait une énorme mine de soufre. Je ferais des murs jaunes. Jaune pisse. C'est chiant quoi. Je peux voir ce que ça fait dans le grès. Ah, le calcaire, ça. C'est pas cool quoi. C'est joli, mais c'est pas cool. Parce que c'est pas assez plat. Un sol pas trop beau quoi. Salut, coucou. Je viens faire des trous. J'ai laissé mes lampes torches de l'autre côté. Il fait nuit. Bah, le sol il a l'air plat, mais je vois rien. Donc bah voilà. Hop. Bon, je vais passer la nuit parce que elle dure longtemps. Bah, je trouve qu'elle dure trop longtemps. Tiens, salut, Dark Diary. Le lit est en bas. Il n'y a pas de chaleur ici. J'ai pas mis de la chaleur partout. Parce qu'il faut que je fasse des foyers en masse. Bah, c'est le désavantage de la montagne en fait, c'est que t'es obligé de faire des foyers en masse. Alors, on va voir ce que ça donne. On voit rien. Il n'y a pas assez de lumière. C'est moche. Putain, il y a que la pierre qui vaut le coup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme zone? Dans le sable, au bout d'un moment, tu tombes sur du grès. Le calcaire, c'est pas droit. Bon, il y a que la roche, ça fait chier quoi.
Est-ce que je pourrais mettre un truc? C'est quoi l'endroit le plus haut du jeu? Où tu vois tout quand tu tournes en 360 degrés? Ah, ça c'est une maison. Il aurait fallu une tour au milieu de la map quoi, sérieux. La montagne enneigée, je peux pas y aller. Et puis, de toute façon, c'est chiant de marcher là-dedans. Va te faire une base, toi, là-dedans, c'est mort. Ouais, c'est stylé ça. Mais c'est du calcaire ça. En fait, le truc que je voulais faire, moi, c'était bien parce que ça me donnait accès entre les deux zones. Les deux zones là, sont séparées par. Il y a un chemin ici, là-dedans, là. Ici et là-dedans, là. Pour y aller. Sinon, il n'y a pas de chemin. Peut-être par là, j'ai jamais été là. Parce que c'est vraiment deux zones séparées, quoi. Du coup, tout ce qu'il y a ici, il y a du grès, là, il y a du calcaire, et puis l'autre côté, c'est que de la roche. Installer d'hôtels à côté de certains trucs. J'ai pas d'idée de spot là, putain. Attends, j'avais mon spot, quoi, c'est relou. Pas de ce côté. Ça fait, elle est loin la mine là par contre, ça fait un peu loin. Vas-y, je vois un spot qui surplombe une partie de la map où on voit bien tout ce qui se passe et tout. Ah, il y a de la brume partout ici. Quand je fais des fenêtres dans ma montagne, j'ai une vue de fou. Mais j'aurais pas de jardin. Le jardin, je peux le faire dans la montagne. Je mets des blocs de terre et puis ça fait un jardin. Quoi. Trop rapide. Après, les sautes montagnes, elles sont toutes petites. Là, j'étais sur le bord de la map, du coup, cette montagne est forcément immense. Bon, bah tant pis, je vais entrer dans un truc calcaire de merde. C'est une montagne haute et tout, c'est bien. Il faut que je monte la flamme par contre. Je crois que cœur de brume, il m'en reste à la maison. Ah non, c'est trop dégueulasse, putain. C'est sérieux quand ça fait une rainure comme ça à chaque fois que je mets un coup de bloc. Oh.
Parce qu'après, quand tu poses des meubles là-dessus, bah c'est tordu en fait. Ah, c'est bien cet effet chelou là. Pas un trou en fait, il y a une hitbox, du coup ça fait un truc invisible et tu voles au-dessus. Mais c'est encore pire. On va poser un bâtiment là-dessus, c'est encore pire. Tu fais quoi? Tu poses une forge, ta forge elle vole à moitié, c'est encore pire. Man. Ça fait déjà plusieurs semaines hein, que j'ai envie de jouer Hitman Blood Money. Hein. C'est un truc de fou. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'y jouer. Ici, un mur. Fin. Pas trop épais. En fait, je suis sur le jeu, mais je vois pas le jeu en fait. Je vois un autre jeu. Ça me refait le même truc que l'autre fois là. Voilà. Je joue Hitman Blood Money, j'ai envie de jouer Hitman Blood Money. Voilà. Jeu que j'ai déjà fait, refait, mais je sais pas, j'ai envie d'y jouer. Ça doit être trop chiant. Même pour t'y retrouver, ça va être compliqué. Parce que faire un labyrinthe dans The Forest, c'était simple. Vu de dessus, hop, tu regardes ton truc, tu fais ok, je vais faire ci, ça. Attends, plein dedans quand tu le construis. Tu peux pas prendre du recul pour voir ce que ça donne. Je peux les séparer comme ça. Attends, tu permets toi. C'est quoi là? On va mettre un peu plus haut de plafond.
Normal, la rainure, ouais, c'est le calcaire qui fait ça, super, youpi. Ouais, bah, ça m'a foutu ici, là. Oh merde, c'est vers où, ça? Ok. Je suis presque à l'extérieur, c'est ça? Je peux faire une fenêtre, là? Non, bah alors qu'est-ce que tu fais avec ta lumière là? Il est con ce jeu. Ah, t'as reculé d'un cran. Là aussi. Ah, oh, ah, putain. Ah ouais, laisse tomber. Ah, du coup, je peux faire des petites entrées de nains et tout. Ah, tu aimes les nains? Tu vas aimer ce jeu, hein. Moi, c'est pas mon truc, mais bon. Moi, j'aime bien faire des tanières de taupe, là. Je vais faire pareil, ici. Oh, c'est dégueulasse. Mais c'est normal ça. Il se fout de ma gueule. Le trou là, y a un trou. Voilà, tu décales d'un cran. Non, fais pas ça. Mais c'est moche ou c'est parce que c'est là? Non, moi c'est ce mur que je veux. Ce mur, il est beau, ce mur. Pourquoi tu fais pas pareil que sur ce mur? Il est beau, ce mur. Pourquoi tu veux que je te tourne le bloc carré? Idiot. Mais... Ah putain, ça a été fait avec ça. Donc faut que je coupe avec ça. Hein? Eh, tu me saoules. Oh, elle me gonfle cette zone calcaire de merde. Hein. Sérieux, hein. Ouais, parce que jusque-là, j'étais tout content de faire une base dans une nouvelle zone et tout. Oh non, mais c'est quoi cette merde? Ah, mais il y a même l'eau chose ici, en fait. Mais c'est dégueulasse! Pourquoi là c'est tout beau et tout, et là c'est tout de la merde et tout? Là ok, il est pas droit, c'est logique. On va faire un petit correctif comme ça. Hop. Connard. Je viens de corriger là, non? Mon truc il se décale pas là, je ressens la même ligne là. C'est cette roche de merde qui fait ça. Putain, ça me saoule. Là, tu bouges ton trou pourri et il m'en fait une autre boss. Si je coupe avec ça.
Oh non mais hey. Ah, je pense que t'exagères la coupe là. C'est n'importe quoi. Zone de merde. Déçu. Putain, trop déçu. Vas-y, je peux rien rajouter dans ma base là-bas. Moi. Elle est très bien comme elle est. Elle est même trop grande pour ce qu'elle est. C'est chiant. Tu vois, la construction sur The Forest, ça prend du temps parce que tu t'as une idée et le temps de la réaliser, ça prend quelques heures, quoi. Là, t'as une idée, bah c'est rapide, tac tac tac, tout, tic tac, et puis t'as ton idée, quoi. Ah ouais, qu'est-ce que je fasse à part rajouter du chauffage, je vois pas quoi rajouter d'autre. Non, je me suis même fait une grande plaine là, tellement j'avais rien à faire sur la base, en fait. Voilà, super. Donc ouais, même si t'as de la créativité, ça va vite en fait. Après ouais, je pourrais m'amuser à construire avec tout un tas de super blocs que j'ai ramassés, mais est-ce que j'ai envie de faire des maisons carrées prendre la tête avec des toitures basiques, parce que c'est quoi ça, c'est basique, non? Ouais, t'as des trucs d'angle et tout, mais... Je me suis fait un trou, là. Oh, c'est pas trop grave, ça. Un petit coup de râteau, puis on en parle plus, hein. Hop, hop. Voilà, ouais, y a plus de trou. J'avoue qu'il y a des toitures un peu originales, mais bon, ça vaut pas The Forest. Je suis déçu. Merci Nightgame d'avoir sorti votre premier jeu, grâce à vous, tous les autres jeux de build me dégoûtent. Vous êtes heureux ? Putain !